Ceuta. Toma. Tu n'as pas aimé Ceuta? Je dirais que l'endroit n'est pas désagréable. Le mélange maghrébin espagnol, c'est une chose harmonieuse que j'apprécie énormément. Et la convivialité là. Mais à part ça, l'arrogance dans cette marina qui se prétend le monopole de l'Afrique du Nord, bon, je trouve ça un peu exagéré. C'est pas grave. C'est cher. Le service n'est pas adéquat, sauf pour les aidants qui viennent te donner un petit coup de main. Ça, c'est pas fait. Sinon, c'est bonne femme. Elle m'accusait de ne pas payer la facture alors que je l'avais payée rubis sur l'ongle. Alors que notre temps était compté, qu'on ne pouvait pas dépasser une certaine heure, si sans quoi nous devions payer une deuxième journée. Voilà, 20 euros par heure. Tu te rends compte. D'où notre précipitation. Et notre enthousiasme allait vers d'autres contrées. C'est-à-dire, nous allons à la ligne de la Concepción. C'est juste en face. Ok. À côté de Gibraltar. Ok. Salut les amis. Te marre pas, c'est toi qui vas faire la route. Ah merde, je me suis trompé. Pendant que je trace la route, et le capitaine fume son cigare. Sans s'inquiéter des paquebots qui se trouvent devant nous. Alors, James, je vous donne la responsabilité de la route à la marina de la Concepción. J'ai pas l'entendu. Ok. You're welcome. Retour vers Gibraltar au moteur, malheureusement. Il y a des paquebots. Même pas peur. Ça va, Tony, tu gères ? Et en vrai, ça paraît plus grand. Hein. Tony, c'est quoi derrière toi? Ah bon, il y a... Derrière le paquebot, tu vois? On a vu, c'est de la pollution. C'est comme un rideau. Bon, me voilà à la barre. Devant tous ces paquebots. Je suis pas à l'aise. Nous allons rentrer au port. Voilà, nous partons vers notre emplacement. Le rocher, puis le bateau. Et le rocher, là-bas.
n'a toujours pas bougé. La traite, vous allez en Angleterre.